Pouf pouf YouTube, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Overwatch en direct sur Twitch. Merci à Lyon Fou pour le sub et on va essayer de faire une belle partie. On est en attaque sur Anna Moura, je joue Faucheur, c'est ma troisième ou quatrième partie de la journée et je pense qu'on est assez échauffé. Dans la game, on a la snipeuse, un healer, le reste on s'en fout, avec moi ça devrait le faire, voilà. Allez, lancez vos paris. On est parti pour l'assaut. Ah d'accord, alors c'est assaut sur cette carte là. Faut savoir que juste avant, on avait défendu sur cette carte. Et que c'est assez chaud d'assaut sur la carte là, je trouve. Allez, boum. Voilà. Je trouve que c'est assez chaud d'assaut sur la carte là. Après, c'est mon avis. Je sais qu'en défense, la carte là est vraiment parfaite. Voilà, le nain. N'importe quoi. Blague. Je sais qu'en défense, la carte là est parfaite. Par contre, en assaut, va falloir une bonne coordination au niveau des troupes. Voilà, il y a déjà la snipeuse qui est là-haut. Va falloir une bonne coordination des troupes parce que voilà, sur la carte-là, ça passe pas. Il n'y a qu'une entrée. Qu'est-ce que tu fais là, inconsciente, va. Il n'y a qu'une entrée. Hop là. Oh merde. Voilà, hop. Il n'y a qu'une entrée et c'est assez chaud parce que l'entrée est là, ils sont tous dans le fond à bloquer. Voilà. T'inquiète. Merde. Oh la loose, je pensais que j'allais le faire. Bon déjà, petite médaille d'or qui tombe les gars. Voilà. Allez. Allez, on est parti. Alors, le spawn magnifique dans une grosse salle d'arcade. Il n'y en a plus en France je crois, ou alors peut-être deux. Mais je sais qu'au Japon, il y en a encore pas mal, c'est... Et c'est pas prêt de fermer, et c'est plutôt stylé, je trouve. C'est les trucs comme ça. J'ai même une anecdote sur les bornes d'arcade, je vais vous la dire, vu que j'aime bien raconter ce que je sais. Voilà, attendez, je vous raconterai ça. Ah ouais, alors, lui, il est tellement fait de couilles, voilà, toi je t'ai calmé direct, Hadoken. Petite anecdote sur les bornes d'arcade, saviez-vous qu'au Japon... Quand je sais plus quel jeu est sorti au Japon, ils ont eu une pénurie des pièces. Des pièces de monnaie. Parce que les gars, ils claquaient toutes les pièces de monnaie dans les bornes d'arcade. Du coup, il n'y avait plus du tout de pièces de monnaie. Je crois que je sais plus c'est quel jeu. J'ai envie de dire Mario, mais je suis plus sûr. Enfin bref, c'est un jeu qui est sorti sur bornes d'arcade il y a quelques années. Et quand le jeu est sorti, eh ben, il y avait plus de monnaie dans le pays. C'est ouf quand même, hein, quand on y pense. On pourrait regarder sur Wikipédia. Hein. C'est une info. Je pourrais faire un top 5. Top 5 des infos incroyables que je sais. Alors, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Bienvenue à ceux qui arrivent, les gars. Bienvenue, bienvenue. Bon, maintenant, on attaque B, c'est cool. A est validé, ça fait plaisir. Nous, on va se foutre là-haut. Voilà. Allez, viens. Ok. Ça, c'était vilain, ce truc. Je sais pas s'ils vont retenter... Et si tu retentes, je fais A direct et je te calme. On va se mettre là. Allez, viens ici, vilain. Oh putain. Oh le vilain, le nain il était en ulti, GG à lui. Par contre, j'ai pris la vie. Va dessus, va dessus, va dessus. J'ai la vie. Ah, il ose pas. Il ose pas, il ose pas. Allez, go, on est parti. On a une partie à gagner. Il reste 6 minutes 40 pour assauber. Je pense que c'est dans nos cordes. Voilà, je pense. Voilà, information made in Rasuper, hein, bien évidemment. Je pense que c'est dans nos cordes. La petite TP des familles. Attends. C'est moi ou... Il y a la snipeuse qui est en haut. Ouais, la snipeuse est en haut. Voilà, ça c'est fait. L'autre, il est là. Ça te fait pas chier de nous casser les couilles? Allez. Boum. Bon, le nain, j'arrive, hein. Ok, il n'y a même plus là. Allez, on fait gaffe, on essaye de bien jouer. Allez. Merde. Ah, dommage, la tourelle, j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai mal joué, c'est de ma faute. Cela... Oh, merci, Dieu. Oh là là. Est-ce que ça va oser venir se confronter à moi? Et oui, ça vient. Ah, oh, dommage.
Tiens, si elle était pas montée dans son vaisseau, il y avait moyen de faire 2 kills, je pense. Donc il y a le téléporteur qui est derrière. Ok, je vois. Je vois ce qu'on va faire pour win. Bien évidemment, l'échec n'est pas une possibilité. Donc on va win. On va se bouger le cul, on va la win, celle-là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Allez, en avant. On va se bouger les fesses, on va la win. On a un healer, on a un bastion. Ça devrait... Alors moi, je vous déconseille de passer par là. On va essayer d'y aller fourbement. Ok, le nain est en ulti. Pourquoi? Fais chier, je voulais passer... On s'est pris un... Désolé. Désolé, c'est pas possible. On s'est pris un refus, là. Allez, 2 points de vie, ouais. C'était chaud. On a eu un peu de chance. Voilà, c'était chaud, l'autre il est là-haut. Donc moi j'essaye de faire du kill. Même si... Merde, mauvaise idée. Bon nain, t'arrêtes. 4 minutes pour assaut. Pour le moment, on n'a pas trop de... Oh là là... Non, non, ça sert à rien d'assaut par là. Ou alors, faut y aller comme des bourrins. Mais on n'a pas la force nécessaire pour le faire, les gars. Voilà. Ça se rendra à l'évidence. Qu'est-ce si je me mets là? Ok. Ok, j'essaye de les emmerder, les gars. J'essaye de les emmerder. Ok, il y a l'autre avec les tourelles, là. Ça va être galère, par contre. Et... Merde! Est-ce que tu peux heal? Est-ce que tu peux raise ou pas? J'ai essayé un truc, mais vu qu'il y avait le healer derrière, je me suis dit, si je claque l'ulti, il y a peut-être des chances pour que j'arrive à... Puis on n'a pas de téléporteur. Il y a peut-être des chances pour que j'arrive à faire un maximum de kills et du coup que ça nous permette de percer. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Voilà. Voilà, voilà. Ça n'a pas fonctionné comme prévu, c'est dommage. Tu tires comme un bourrin. Ouais, bah, faucheur, ouais, c'est... C'est le délire, quoi. Faucheur, c'est vraiment ça. Putain. Oh là là. Que fait mon équipe? Bon, médaille d'élimination, médaille d'argent sur les dégâts, sur les soins prodigués. Ce qui est plutôt marrant parce que de base, je suis pas un healer. Bon, j'avais dit qu'on allait la win. Voilà, hein. Comme ça, hein. Là, je sais pas trop. Du coup, je suis un peu sceptique. Parce qu'ils... Ah oh ouais, il y a une défense, mais tu peux pas la passer, la défense, hein. Oh. Tu peux pas la passer, la def, hein. Le sniper qui est là-haut qui m'a toujours pas vu. Si elle m'a vu. Oh là là, la def. Ah, il y a du bastion là, hein. Même pas, non, c'est les nains qu'ils ont mis. Ouais. Voilà. Oh, les nains, c'est... Allez, les gars, on pousse, on pousse, on pousse. Merde. Putain, j'avais vu du bleu, je me suis dit, allez, go. Oh là là, on peut rien faire. Regarde les nains. Les nains, c'est super pratique dans ce type de délire, parce qu'en fait, de base, bastion est considéré comme 1, on va dire ça comme ça. Le nain, c'est considéré comme 2, je m'explique. Bastion, quand il est posé en tourelle, il ne peut plus bouger, donc il compte comme un ennemi. Le nain, il peut poser une tourelle fixe, plus lui, il peut bouger pour aller faire du kill, donc c'est plutôt simple. Regardez son bouclier.
Et on peut essayer de pousser derrière, mais ça va être chaud, hein. Vas-y, vas-y, remets ton bouclier. Allez, on essaye. Allez. Ah, elle m'a gelé sur l'ulti. Ah, je suis déçu. Là, pareil, là, c'était bien joué, la saut de fin. C'est dommage, parce que c'était bien joué. Voilà. La saut de fin était propre. Malheureusement, bon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et les deux nains, là, je les déteste. Allez, regardez bien le gameplay de nain. C'est magique aussi. Admirez. Donc, il est en ulti. La tourelle bombarde à fond. Et lui, à côté, il est là pour faire du kill aussi. Donc, voilà. Le combo assez sympathique. Monsieur Rasuper qui rentre à la fin. Bon, Monsieur Rasuper n'est pas là. Dommage. C'est ballot. Bon, on va voter pour chez nous. Quasiment 20 000 de dégâts pour Sadness. C'est quand même assez sympathique. 20 000 de dégâts, c'est même énorme. Je sais plus, il a combien mon record en dégâts. Ah non, c'est des dégâts bloqués. Ok, donc non, du coup c'est easy, il avait juste son bouclier. Je pensais que c'était des dégâts infligés et 20 000, c'était vraiment énorme. La médaille d'or pour les éliminations. Et médaille de soins prodigués, donc ce qui est plutôt marrant parce que je suis pas du tout un healer. Et le niveau 22 qui passe, on va aller ouvrir le petit coffre. Peut-être une légendaire, on ne sait pas. Attendez, si je veux bien. Niveau 22 déjà, c'est cool. Non, il n'y a pas de légendaire. Si, peut-être, non. Allez, on regarde. Non, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. J'ai un truc en doublon, donc c'est de la merde. J'ai des tags, j'ai une réplique et j'ai un vieux tag tout pourrave. Bon, fin de cette vidéo Overwatch. Déçu de cette défaite, mais content de mon équipe. L'équipe a quand même bien joué. En face, il y avait deux nains, dur de faire quelque chose, surtout sur la carte-là, où on doit assaut une sorte de forteresse avec une entrée, et où si tu mets les tourelles en face de la zone d'assaut, ça passe plus. La partie d'avant, j'ai pas enregistré, mais la partie d'avant, on était en défense. J'ai fait la même chose qu'eux, avec Bastion. Bon, bah voilà quoi, on va laisser peser. Hein. Allez, fin de cette vidéo. Tchou tchou.